Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. De la plage, je crois que je suis arrivé pour m'installer. Plein d'années, je veux pas le trône, je voudrais perdurer. Je vois plein de personnes se mettre à s'exclamer sur le fait que je fasse du rap, c'est le moment de constater. Je voudrais combattre la cernie, je m'entends dans mon être, je suis d'une pas me faire des ennemis. Hey, tous les soirs, je revois mes classiques pour tirer mes conseils en attendant que Olaï sonne. Un peu de fierté dans un couple, c'est la merde. Tu sais que tu viens de loin si tu te relèves. Excusez-moi les fans. Voilà, tranquillement. Bon, je vais vous dire quelque chose. Pour que le monde soit plus simple et clair, je vais mettre une vidéo. Ensuite, une deuxième. Pour que les choses soient plus claires et que vous compreniez beaucoup de choses. Merci beaucoup. On va commencer la première vidéo. Ça veut dire que mon direct que j'ai fait hier pour parler de Vital et tout ça avec l'animatrice. En même temps, j'ai profité en même temps pour parler de mon style musical qui est en train de, voilà, qui est sur un pied. Donc il y a des gens qui ont coupé, ils m'ont envoyé aussi ce que j'ai dit et ce qui a suscité des réactions personnelles chez d'autres personnes. Bon, écoutez un peu d'abord, voilà, voici la vidéo, écoutez. La deuxième vidéo arrive. Bref. Je vous fais ça. Ça fait combien d'animaux? De toute façon, il dit ça toujours. Voilà. Je vous fais ça depuis trop d'années. Il n'y a pas trop d'affinité entre nous, mais bon, on est frères et sœurs dans le showbiz, tu vois, non? Tu as fait ta vidéo hier, je pense que tu n'as pas dit non de quelqu'un, j'ai vu la vidéo. C'est bien de donner son avis, de toute façon, on est un peu de démocratie, chacun peut donner son avis, hein, ça c'est libre. Mais ce que je veux dire, c'est que chose, faut pas rentrer dedans. Ouais. Les choses, faut pas rentrer. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est moi, le chenille, piano, mon guitare. Voilà. Tout le monde sait que à le chenille, la studio. Studio, même tout le monde a studio. Mais le piano, la guitare dont tu as parlé là. Ma part, j'espère, en tout cas moi, j'espère de tout cœur que tu parles pas de moi. Sinon, tu ne sors pas de là. Voilà. C'est mieux de te dire ça, parce que tu me connais, il te connaît. Il te dit et il te répète, tu me connais et je te connais. Voilà. Donc, rentre pas dans ce que tu peux pas terminer. J'espère.
Bon, ok, bref. Dames et messieurs, vous avez déjà vu un peu la réaction de quelqu'un qui dit qu'il est mon frère, qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai dénoncé un fait. Un fait, ou bien je ne sais pas quoi là, comment on dit ça là. Qui ne va pas dans notre mouvement. Parce que je n'étais pas venu faire un direct pour parler de ça. J'avais prévu faire un direct pour parler de ça pour que tout le monde revienne à la raison. J'ai parlé, j'ai brossé quelque chose. Tous les acteurs du coupé décalé, peut-être ont vu la petite partie que je vous ai montré là. Et peut-être ont suivi, d'autres ont suivi mon direct. Mais toi, tu dis que tu es mon ami. Tu dis ça toujours. Que tu es mon ami. Que toi là, on se connaît il y a longtemps. Mais si j'ai parlé comme ça, j'étais dans un état d'esprit. Ça dit que mon direct, il a parlé de ce qu'il devait parler et puis il a brossé un peu ce qui me donne à manger. Un petit sujet sur mon coupé décalé. Mais toi, je n'ai rien compris. Pourquoi tu te mets dans un giga comme ça? Tu pourrais m'appeler au téléphone. Je vous dis, mais mon ami, frère, ça c'est comment? Ah, tu as fait un direct, ah, vraiment, c'est pas bien. Comment tu peux nous clasher comme ça? Ou bien, mais, de un, il n'était pas clashé. De deux, tu ne m'as même pas appelé pour dire que non, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. De trois, je n'ai pas parlé d'une seule personne en général. J'ai généralisé. J'ai généralisé. Tu viens de dire que je suis ton ami. Si quelque chose t'a pas plu, appelle-moi au moins pour savoir le fond de l'histoire. Parce que tout le monde sait que Safarel, ce n'est pas quelqu'un comme ça. Tout le monde sait que je ne suis pas dans ce genre de trucs. Deux jours, on me voit faire direct parce que c'est des trucs qui me touchent. Ça dit, moi, je suis artiste, ça touche les artistes. Donc, il y a le droit de donner mon point de vue. C'est normal. Je suis artiste coupé décalé, ça touche les artistes du coupé décalé. Si je veux donner mon point de vue, je le prends plein droit. C'est normal. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon secteur, je peux en parler. À part ça, ce qui ne me regarde pas, je ne me mêle pas de ça. Voilà. Je ne vais pas parler de la politique parce que je ne maîtrise pas le terrain. Je ne vais pas parler de football parce que je ne maîtrise pas le terrain. Je parle de musique. Maintenant, toi, tu dis que tu es mon ami. Toi, tu ne peux pas m'appeler et puis en causer. Regardez les fans. Parce que souvent, je ne sais pas s'il y a d'autres sans buzz, ils ne peuvent pas chanter quoi. Il y a des gens là, on est sans buzz, là, ils ne peuvent pas chanter. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien créer, comme on le dit dans nos jargons. Sans buzz là. On dirait, ça dit que tu peux pas chanter sans buzz ou bien c'est quoi? Bon, attends, je viens. Allons pas à pas. Je vais vous montrer ici. Je viens, les fans. Ariel Chéné. Voilà. Notre dernière causerie, c'était quand même. Excusez-moi, éléphant. Voilà, regardez ici. Regardez ici. Regardez. Regardez ça, c'est Ariel Chéné. Regardez, vous voyez? Regardez, vous voyez là? Oh, je ne sais pas comment on met la caméra là. Là. C'est le numéro d'Ariel. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? C'est le numéro d'Ariel. Notre dernière causerie était... Attends, je vais voir. Regardez. Le 13. Vous voyez ça? Le 13 avril. Si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais, ça dit que... Je vous montre ça pour vous dire que... Souvent, tu m'écris. On parle... Quelques rares fois en tout cas. Comme tu l'as dit là, il n'y a pas trop d'affinité entre nous. Même si on était frères sans avant. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé note? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé message sur WhatsApp que tu m'écris dessus souvent là pour me parler? C'est sur Facebook. C'est-à-dire que vous là, dans votre tête là, tout est Facebook. C'est-à-dire que... Bon. Tu étais obligé de venir t'asseoir sur la toile pour parler de ça ou bien c'est quoi? Pourtant, tu sais que je t'ai pas indécé. Je parlais de façon générale. Je n'ai pas le droit de parler. Ou bien c'est moi ici, ta poule mouillée, quoi. Ou bien c'est moi qui m'intro.
Sinon, il y a les petits frères même dans le coupé décalé même qui te parlent les paroles. Hein, tu n'as jamais répondu. Moi, on sait qu'il ne répond pas. Donc, mais comprends. Oh, buzz. Bon, mon gars, toi, c'est ça, vous faites l'ivoirien. Vous voyez tout en buzz. Vous voyez tout en buzz. Moi, je n'ai pas besoin de buzz pour évoluer dans ma carrière. Hein. Tout le monde connaît ça et puis a confirmé ça. Tous mes sons qui ont pris là, ce n'est pas buzz qui a fait que ça a pris. Hein. Toi, tu es en train de dire buzz ou bien quoi que ce soit. Là. Vous voyez tout en buzz. Et quand ça tourne d'une manière là, c'est vous voyez tout en buzz. Moi, il n'a pas besoin de buzz. Lui qui a besoin de buzz et puis qui cherche buzz là. Allez-y lui parler là-bas. Allez-y sa page là-bas pour lui dire ça. Moi, il n'a pas besoin de buzz pour mousser. Tous mes sons qui ont moussé là, vous avez déjà entendu qu'il a fait scandale quelque part avant de faire sortir son. Ou bien créer buzz avant de faire sortir son. Les gens que leur coupé décalé se nourrit de buzz et d'eau fraîche là. C'est à eux que vous devez parler. Comme les Ariel Chéné là. C'est de lui là. C'est lui. Lui qui veut chercher buzz, il veut chercher non. Pourtant, il est généralisé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas indécis une seule personne. Quand tu dis, Jean, tu dis ceux qui ont piano en guitare. Mais mon frère, je ne sais pas, hein, mais on dirait que tu as quelque chose contre moi. Ou bien, Jean, toi, ça dit que je ne sais pas. J'ai fait mon message, j'ai envoyé mon message globalement. Ça dit que j'ai fait un message à tous les acteurs du coupé décalé. Qui se sent mauvais, c'est mouche. Il n'y a pas de problème. Tu t'es senti mauvais, tu t'es mouché. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, piano, dans ma vidéo là, allez-y remarquer ce qu'il a dit. Je dis, piano, il y a des gens là, et tous les pianos, guitare, et tous les studios. Tellement que tu cherches nom, tu cherches buzz, je ne sais pas c'est quel son tu es en train de préparer deux jours là. Bon, c'est moi qui as vu pour faire ton buzz. Mais il a te montré que c'est l'homme qui ne parle pas, il faut le laisser. Petit, faut pas réveiller les vieux démons, hein. Faut pas t'amuser. Toi seul seulement tu sais où. Il n'y a pas besoin de te parler. Piano en guitare. Je dis dans mon direct, il y a des gens, tous les pianos, tous les guitares. Beno joue piano. DJ Mix joue piano. Debordo joue piano. Il y a plein de personnes dans Coupé de Galère qui jouent piano. Baby Philippe joue guitare. Et Ogi Solo joue guitare. Landro guitare dans le Coupé de Galère joue guitare. Charlie guitare joue guitare. Il y a trop de personnes qui jouent guitare. Il y a trop de personnes qui ont piano, qui jouent piano. Il y a trop de personnes qui ont studio. Jean, toi, c'est toi seul qui as studio, quoi. Ou bien c'est toi seul, tu as piano, tu as guitare. Qui est piano en guitare. Comme il est parlé de façon générale. Et puis toi, tu dis que c'est toi qui es trop gros bras, c'est toi qui as venu, Jean, garant les gens. Toi, tu peux garant l'homme. Toi, tu peux garant l'homme. Toi, tu es garçon pour garant l'homme. Petit. Tu m'as oublié quoi. Ou bien, c'est le même. C'est moi encore de l'école. Hein. Mais je me suis assagi parce que sinon il y a artiste. Et puis on prend de l'âge, il faut rester tranquille. Sinon, petit, tu connais. Il n'est pas encore changé. C'est la même chose. Seulement que là. Si tu as relevé le côté animal là, tu as apprécié. Bah bien de ça, mais moi, là, il est là. Tu connais et puis il connaît. Mais toi seul là, tu es en drame de moi. Voilà. Donc, faut pas t'y rentrer dans ce que toi-même, tu peux pas terminer. Là, tu as venu. Hein? Tout le monde habitant sait que c'est moi, il y a studio. C'est moi, il y a piano, en guitare. Tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Ou bien, c'est drogue qui fume là, qui fait ça. Quoi. Ou bien, tu sais quoi? C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? Dans les autres là. Toi, tu as studio que Baby Philippe, tu as studio que Serge Beno, tu as studio que DJ Mix, toi, tu as guitare et piano qui. Hein, donc, eux là, eux n'ont pas. C'est-à-dire que toi seul là, toi, tu travailles dans studio, c'est toi seul qui as studio, c'est toi seul qui as guitare, c'est toi seul qui as piano. Eux là, non, eux n'ont pas guitare, ils n'ont pas piano. Eux là, eux ont cuisine, c'est dans cuisine, ils arrangent les sons. Hein, ils ont cuisine, les claviers là, c'est comment on appelle ça, gazinière, et ils prêts pour jouer. Les guitares là, c'est bois de placali, les batteries là. C'est louche. Louche est mamite. Est casserole.
Voilà. Eux n'ont pas studio. Eux, ils sont dans la cuisine. Et puis, eux, ils ont cuisine. Les instruments de musique, là, c'est les mamies, casseroles, les micros, là, c'est cuillères. Hein? Toi seul, tu as studio. Toi. Tiria qui même pour faire ça même? Qui te blague même? Mais c'est pour que tu as mis dans tes babes là qui fait que tu peins, tu es trop dingue, quoi, mais tu es trop gigaté. Toi, tu es gigaté. Toi, tu es gigaté. On parlait qu'on en buzz, qu'on en buzz. Moi, pas besoin de buzz pour mousser. Moi, je travaille brut. Aime danser et puis on déjà foule. Si vous avez aimé, vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, là, ensemble, on rentre au sujet, on fait encore. Voilà. Dans mon petit Ariel Chéné. Comme il est généralisé, et puis tu peins, tu es trop gros bras, genre il parle de toi et puis il me camoufle. Bon, laisse même affaire de généralisation, il parle de toi. Toi, Ariel Chéné. Bon, où est toi? Tu me vois, non? Il parle de toi, Ariel Chéné, oui. Comme il est généralisé, tu penses qu'il est trop parlé en code, puis il est trop peur de toi, comme ça, comme ça. Bon, laisse tout ça là même. C'est de toi il parle. Toi, tu as venu garant moi. Moi, tu peux moi me garant. Ta sale babla. Jean, hein? J'espère que ce n'est pas de moi. Hein? Si c'est de moi. En tout cas, tu ne sors pas de là. Tu me connais, je te connais. Quand tu as pris, tu me connais là. Oh, petit, hein? Tu es. Hein? Les gens qui voient ça en buzz n'ont qu'à voir un buzz. Mais il vous signifie que quand on dit quelque chose est buzz là, ça veut dire que les deux mains sont habitués à faire ça pour mousser. Moi, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais répondu à un artiste parce que ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, si toi, il te répond là, toi, mais tu as foutaise même toi là. Tu peins tes trous les fesses du pape, et puis c'est trop. Quand tu es sur le net et puis tu parles pas, les morts pensent que non, tu es coin. Ils pensent que comme ils ont, genre, ils sont actifs sur le net, donc ils sont les rois du net. Le net, il vous a déjà dit que ça ne m'intéresse pas. Mais comme tu es parlé, c'est ici, tu veux parler, tu ne peux pas appeler les gens pour parler. Pourtant, tu as mon numéro. C'est ici, on va parler maintenant. Il y a d'autres, les pays frais de rien du tout que nous, on a vu net. Et ils se lèvent, ils insultent les gens. Et ils parlent. Que, parce qu'on est dans le même mouvement, on fait le même mouvement. Dieu! Donc, les petits frères, ils parlent, ils insultent les gens. On ne parle pas. Comme on ne parle pas, toi, tu as venu monter sur la tête des gens aussi. Parce qu'on ne parle pas. Vous payez qu'on a trop peur ou bien c'est payé, c'est quoi? Ariel Chéné, ton garant que tu as donné là. Bon, attends. Quand tu dis ça là. Bon, tu veux parler de quoi? Tu me garant. Bon, sinon tu espères. J'espère que ce n'est pas de toi. Sinon quoi? Dis-moi, sinon quoi? Tu veux parler de quel côté? Bon, côté par là quoi? Mais écoute, non. Et non. Toi, tu n'as pas qu'à de mes. Tu ne peux pas parler de côté coup de poing. Nous, tu n'as pas qu'à de ça. Donc, laisse ce côté là d'abord, c'est bien moi. Tu veux parler de quoi? Côté nous si quoi? Non, tu es petit pour ça. Toi, tu connais. Voilà, tu es petit pour ça. Et maintenant, qui te coordonne là. Il y a mes frères sans dedans, mes vieux pères dedans. Voilà, je sais ce qui te compte. Tu n'es rien. Maintenant, tu veux parler de quel côté? Côté quoi? Musique quoi? Musique. Toi, tu chantes quoi même? Et puis, on ne peut pas chier, on ne peut pas respirer. Tu chantes quoi? Tout ce qu'elle dit, elle dit. Bon, il ne parle plus de quelque chose. Toi, tu ne fais pas couper, décaler. C'est sur ce côté-là que tu es parti, non? Mais si c'est discours, tu n'as pas qu'à. Toi seul, tu me connais. Quand tu regardes mon zi ici, ça n'a pas encore changé. Tu sais. Donc reste tranquille, il faut boire. Maintenant, si tu veux parler côté nous, si bon, ça, tu ne peux pas parler de ça. On ne parle pas même de la violence. Mais tu es un faiblard. Tu es une gonzesse. Il faut boire. Maintenant, il dit. Tu as voulu. Tu veux parler de côté musique. Oui, c'est ce que tu as dit là. Musique là. Tout le monde sait que tu sais jouer piano. Oui, tu fais piano bar. Il n'y a pas de problème. Tu fais piano bar, tu chantes un peu bien, bon. Mais j'ai dit, c'est vrai, ils ont dit ça, oui, il n'y a pas de problème, oui, bon, c'est vrai. Mais j'ai dit, couper, décaler sûrement, couper, décaler brut là. Je suis ton patron dedans, c'est pas amusement. On dit chanter, couper, décaler. On n'a pas dit chanter zouk, hein, zouk love que tu fais là, on ne parle pas de ça. Hein. On dit chanter, couper, décaler pour faire danser le pays. Moi, je suis ton vieux père dedans, je suis ton papa dedans. C'est même pas amusement. Et puis, je suis l'artiste le plus inspiré du coupé décalé. Pas bien monté. Il n'y a pas l'homme qui a cœur de ça. Toi, tu n'as pas cœur, moi. Si tu as cœur, ta mère est déclarée, il faut chanter coupé décalé. Et puis, on courit, on voit qui est rémuant. Ta tata amusait le Vatican. Ta garant le coup de poing. Petit. Y a les doucement à toi aujourd'hui. Il dit.
toi là, tes pianos, tu joues, tes chansons, tu chantes là. Piano que tu joues et puis tu chantes un peu là. Les gars de ton espèce là, ce que tu fais là, il y en a beaucoup dans les chants religieux là-bas. C'est là, toi tu dois faire chanson religieuse. Toi, tu es un chant religieux. En temps normal. Si c'est pas Daichi qui a donné un nom, père à son âme, on va pas trop parler de lui ici même. Toi, tu dois ta carrière vieille là, hein. Faut te calmer. Hein. C'est vieille là qui t'a poussé. Et puis, t'es dit, et puis tu commences à atteindre tes babes là pour pas que tu es frais sang de tes vieux morts. C'est vrai, on est frais sang, oui. Mais si ton vieux mort aussi beaucoup de côté, ça va pas chauffer. Quand on parlait de poupée de galet, toi, tu étais quelqu'un. Toi, tu étais quelqu'un. Quand on parlait de cuitata, 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 tu étais quelqu'un. Quand on parlait de ya 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 ya, agomata lago, ya 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 ya, toi tu étais l'homme, tu apprenais à jouer au clavier. Je te voyais à la RTI, tu étais deuxième, tu étais pianiste, c'est cool, tu apprenais, et puis nous on passait à la télé. Donc faut respecter. Ce que tu fais là, ton piano tu joues, tes chansons, zouk l'or tu fais, André Jacob Devario ou bien quoi là. Tu fais là. Toi, tes collègues que tu dois causer eux là. C'est les chants chrétiens. Toi, tu es un chant chrétien. Nous, on fait du coupé décalé. Donc, quand les gens qui font du coupé décalé, pur et sec, dur, parle-toi, tu te tais. Parce que tu es un chanteur de zouk et de chansons religieuses. Est-ce qu'on est d'accord? Là, on est clair dessus. Mais toi, tu ne fais pas coupé décalé. Faut t'appeler artiste chanteur, musicien Ariel Chéné. Faut pas dire que tu fais partie du coupé décalé. Ben, tu ne vaux rien dedans même. Voilà. C'est moi qui te parle ça. Quand tu es un chanteur religieux, tu es un chanteur de zouk. Souvent, tu te jettes dans Rapumba, mais tu ne casses pas œuf. Pas de quoi. Tu as venu garant les gens qui n'ont c'est quoi. Et puis ton ami garçon. Vous bien payer, vous parlez et parle pas, non, ici gamé sur mon travail, c'est quoi, c'est quoi. Maintenant, là, nous tous, on est déjà sur le net, maintenant, puis on est déjà sur le tatami, maintenant. Vous allez voir que moi, mais c'est pas vos camarades, c'est que vous faites là, c'est connerie, moi, je peux faire plus dingue que vous. Ah, tu es quoi? Tu as venu garant, Léa. Maintenant, c'est quoi, il espère que tu crois, quoi. Petit, tu comptes pas, tu peux rien créer face à moi, tu connais, pas besoin de te couper. C'est qui te blague en bas, qui, oui, tu chantes, tu fais quoi. Oui, c'est vrai, mais tu fais piano bar. Tu es un chanteur, tu es un chanteur religieux. Parce que ce que tu fais là, c'est ton talent ou bien, c'est pas ton piano, tu joues, tu chantes et puis là, il y en a beaucoup chez les chanteurs religieux. Mais il dit, il faut aller là-bas, c'est ton domaine ça. Ou bien faire zouk love, continue ton zouk love, ou bien vous faire ton petit rap umba, couper de calé, il faut laisser. Quand on te demande, il faut dessiner un artiste chanteur, musicien. Ou pas dessiner un faiseur de couper de calé. Peut-être tu comptes pas dans nos grains. Voilà. Petit, faut pas avoir affaire à moi. Hein. Moi, il y a tellement demi. Ah, tu es malade. Toi, un mort, ils ont pris comme bébé pour te mettre en haut. Et puis, quelqu'un. C'est-à-dire que toi, un bébé, ils t'ont pris. Brian, viens ouvrir la porte. Toi, ils t'ont pris comme un bébé pour te mettre sur le cocotier. Tu as commencé à mailler coco en haut là-bas. Et puis, un garçon. Qui a grimpé cocotier quand il est arrivé en haut, il a commencé à dabba, vous êtes la même chose. Moi, je me suis fait moi-même. Il n'y a pas l'homme qui m'a fait. Ah, tu t'es levé ici, comme un bébé, on t'a pris. Yoro t'a pris, t'a mis en haut. Il t'a mis en haut même. Un mauvais coin qui n'a pas fait effort. On t'a mis quelque part là-bas, t'as venu causer un. Quand on parle de vrai coupé décalé, c'est toi qui es premier à répondre. Et puis tu dis, je suis ton ami, je suis plus ton ami, c'est pas ton ami. Toi, c'est quel soutien que tu as apporté? Tu es un souhait même, toi là, tu es un zogo, mais vrai zogo, c'est toi. Tu as venu parler de quoi? Tu as venu parler de quoi? Et causer, moi, toi, tu es mes garants. Tu es un chant religieux, toi là. Tiens, faisais de zouk love. Tiens, faisais de rapumba. Tu peux pas faire couper des galères, moi. Tu connais. Faut... Et puis, c'est que tu fais la même chose. Chanson. Nous tous, on peut faire ça. Mais ça donne pas l'an, les fans. Les gens vont t'écouter, mais ils vont jamais t'inviter. Nous, on fait du coup. On défend ce qui est dans notre truc. Celui qui écoute le direct n'a qu'à venir un peu. Nous, là, on défend. Ce qui vient de chez nous.
Coupé décalé, c'est pour nous. Zouglou, c'est pour nous. Chacun a pris sa part. Parmi les jeunes, là, il y a d'autres qui font Zouglou, il y a d'autres qui font des Ivoiriens, parmi des vrais Ivoiriens, des vrais jeunes Ivoiriens aussi. Ce qui est sûr, chacun a pris sa part à des styles. Il y a d'autres là, ils ont pris Coupé décalé, d'autres, ils ont pris Zouglou. Et puis on se bat pour ça, pour valoriser notre musique. Ça colle ça, on se met, on fait Coupé décalé. Puis sinon, nous tous, on peut chanter Zouk. Zouk, c'est quoi? C'est pas Tess. C'est le plus facile à chanter même. C'est que lui, toi, tu fais là. Toi, Réchené, c'est que tu fais là. C'est plus facile à chanter que tout sur la terre. Mais c'est Tess. Mais on dit, faut réfléchir. C'est quelque chose qui est insensé. Faut faire ça, faire danser les gens. Faut mentir pour faire danser les gens. Amuse les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Qu'est-ce que toi-même tu as dit? Tu as commencé par quoi? Tu as terminé par quoi? C'est là, on dit quelqu'un est faux. Toi, tu as lu, tu as copié Tess, tu as venu. Tous les chrétiens font ça. Tous les chrétiens font ça. Tiens, donc, tiens, chante religieux. Rapumba, Zouk. Quelqu'un faisait le Zouk. C'est vous comme ça là qui faites que le coupé décalé est un truc, un bizarre. C'est vous là. Les styles que tu fais là, ça ne vient pas de ton pays. En aucun cas tu vends le pays. En aucun cas. En aucun cas tu vends le pays. Tu fais quoi pour ton pays? Quand on voyage, on demande à ce qu'est-ce qu'on dit, ça c'est coupé décalé. Mais tu prends la carapace de trucs, tellement tu es malhonnête, tu prends la carapace du coupé décalé et puis tu fais d'autres trucs en bas. Et puis tu t'appelles, on parle de coupé décalé, les vrais faiseurs de coupé décalé. Quand tu as fait ça, on t'a pas parlé, on dit ok, il n'y a pas de c'est sa gamme. Mais les vrais faisaient de couper des calés comme moi, comme ça, là, moi, il vient parler quelque chose, c'est toi qui es le premier à répondre. Et puis, où, sur le net, sans ma vie, tu ne m'as même pas appelé pour causer à moi, et puis, il y a rien, tu ne m'as même pas appelé. Jean, toi, tu es trop noussi. Tu es quel noussi, même? Toi, tu es quoi? Toi, là, c'est nous, on t'a pris à faire les oui ici, à Saint-François. Comme ici, venir à la musique. Il y a d'autres moments, il y a 12, donc tu penses que toi, tu peux monter sur ma tête.